Bonjour à vous pour cette réunion autour de la méditation. Donc l'écran blanc qui est derrière, c'est une bonne introduction. Hein. On peut dire que ça symbolise la non-saisie des phénomènes. On y reviendra. Quand on éprouve un attrait on est appelé par ce nom-là, hein, le nom est ce qu'il symbolise. Donc ça signifie déjà qu'on a perdu en partie ou totalement la croyance que la souffrance et le stress a des causes extérieures à nous-mêmes. Et qu'on commence à pressentir que la souffrance et le stress sont largement ou totalement fabriqués par notre propre esprit. Ce n'est pas par hasard qu'il y a une résonance avec ce mot-là et ce vers quoi il pointe. Se rappeler que les mots ne sont que des pointeurs. Et ne pas confondre le pointeur avec ce vers quoi il pointe. Une fois qu'on pressent que la source de la souffrance et la source du stress est dans notre propre esprit, donc on va commencer à regarder, à explorer, observer, à écouter. N'avons pas l'habitude de l'observation du mental parce que le mental fonctionne de manière subtile, rapide et transparente. Mais avec un peu d'habitude, on peut parfaitement apprendre à observer la manière dont le mental fonctionne. Et là, le retentissement au niveau du corps, parce que le corps, le mental, fonctionne en interrelation. Quand une tension est créée par notre psychisme, le corps va l'exprimer. Donc, en écoutant son corps, on a la possibilité d'avoir une lecture indirecte du psychisme. L'observation et l'écoute dont il est question ici sont, on va dire, les formes les plus épurées de l'écoute et de l'observation. Habituellement, on confond observation avec interprétation. L'observation est directe, instantanée, immédiate. Elle ne fait pas appel à la mémoire, elle ne fait pas appel à l'activité mentale. L'interprétation est secondaire. Elle fait appel à la mémoire, elle est conditionnée par la mémoire. On peut dire qu'il n'y a pas de liberté dans la manière dont les interprétations sont construites, étant conditionnées par le bagage mémoriel. Donc, quand on parle d'observation, d'écoute, on va déjà accepter la possibilité qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne sait pas ce que c'est que l'observation elle-même, que l'observation pure, que l'écoute pure. Et c'est à partir de cette interrogation, de cette expectation, hein, que une compréhension peut commencer à s'installer. Dans l'observation ou l'écoute, on peut dire que ce sont des synonymes immédiates, instantanées, le mental
n'est pas opérant. Quand vous percevez, par exemple, ce qu'il y a autour de vous, votre propre corps, ce qu'il y a dans cette salle, les impressions, les perceptions qui viennent à vous, cette perception instantanée qui émerge en vous ne fait pas appel à votre passé, à votre mémoire, à votre éducation. Il est essentiel de bien saisir et intégrer cette dimension d'observation, d'écoute pure. Pure veut dire purifier du mental. Si on veut avoir une compréhension plus approfondie, expérientielle, de ce qu'on appelle la méditation. Donc déjà, en se rendant compte que les interprétations sont conditionnées et qu'aucune interprétation n'est la réalité, il y a déjà un grand pas qui est fait dans la compréhension et dans l'intégration. C'est-à-dire nos propres opinions, jugements, interprétations diverses et variées vont perdre leur pouvoir de fascination. Elles vont perdre l'intérêt qui leur est porté. Et dès lors qu'une pensée ne s'accompagne pas d'un intérêt qui lui est porté, il y a une distanciation, il y a un effacement. Une croyance, une interprétation ne se maintient que tant qu'elle est considérée comme valide. Une fois qu'elle n'est pas considérée comme valide, étant relative, étant conditionnée par la mémoire, elle perd de son intérêt, elle perd de son pouvoir. Et il en va ainsi pour la totalité des interprétations construites par notre mental. Et si vous regardez bien, le mental passe son temps à interpréter, à juger, à interpréter. Et donc il y a en nous la possibilité d'observer le fonctionnement de notre propre esprit, d'observer comment notre mental construit des jugements, des interprétations qu'on a tendance à prendre pour la vérité ou pour la réalité. Cette observation silencieuse qui ne nomme pas, qui ne conclut pas, qui n'interprète pas, c'est là que va s'enraciner l'expérience méditative. Donc on peut dire que la méditation est un art de l'observation, un art de l'écoute. Peu importe la nature de ce qui est écouté, que ce soit les sensations, les perceptions sensorielles, le jaillissement des émotions, le mouvement des pensées, dans tous les cas, il y a un regard, une écoute, qui perçoit et qui contient ces mouvements qui naissent et qui meurent d'instant en instant. Initialement, l'attention est exclusivement tournée vers le contenu de la conscience, c'est-à-dire tout ce qui émerge, les émotions, les pensées, les sensations qui vont chercher à être analysées, à être interprétées. Dans un second temps, quand on s'aperçoit que les analyses et les interprétations finalement ne mènent nulle part, sont que juste une forme d'agitation de l'esprit, alors il commence à y avoir un rapprochement par rapport au regard lui-même, par rapport à l'écoute elle-même. Voyez. Donc d'abord, l'attention est complètement tournée vers ce qui est regardé, ce qui est écouté, et ensuite l'attention subrepticement va pouvoir se déplacer vers ce qui écoute, ce qui perçoit et ce qui regarde. C'est déjà une gymnastique intérieure qui demande une certaine maturité et un désir profond de vérité ou de justesse dans notre être. Sans quoi ces démarches-là n'ont aucun sens et aucun intérêt.
dans l'observation du mental, par exemple, il est important de se débarrasser de l'habitude de vouloir contrôler. C'est-à-dire de se familiariser avec une observation simple des phénomènes mentaux, par exemple, qui vont apparaître, qui vont se maintenir et qui vont disparaître. Dans cette qualité-là d'écoute, dans cette qualité-là d'observation, il y a une forme de totale passivité. C'est-à-dire, il n'y a pas de vouloir particulier que les choses soient comme ceci ou quoi, ou comme cela. Il y a simplement vision, observation, reconnaissance immédiate. Donc, vous voyez déjà la différence entre cette qualité d'observation-là, qui ne génère pas de conflit, qui finalement est simple et naturelle, et de la manière qu'on a d'observer habituellement, ce qui n'est pas véritablement d'observer, puisque constamment on est en train de juger, d'interpréter. Notre mental est en train de juger, d'interpréter. Donc bien revenir à cette aptitude qui est présente en tout un chacun, d'une écoute, d'un regard qui est dépouillé de la pensée, qui est dépouillé de l'activité mentale. Donc se familiariser avec cette perspective. Que le corps soit immobile, que le corps soit mobile, que le mental soit immobile, que le mental soit mobile, en fait, ça n'a pas d'importance. Parce que le regard lui-même, l'écoute elle-même, sont identiques d'instant en instant. Les moments de méditation formels, dans le sens formel du terme, donc vont être des moments consacrés à l'écoute, consacrés à l'observation, dans lequel il n'y a pas d'action particulière à accomplir. Donc le faire habituel est laissé de côté pendant un moment. Donc ce sont, on va dire, des temps consacrés à l'écoute, à l'observation, de façon à intégrer cette perspective. Il y a une différence entre comprendre intellectuellement la méditation et intégrer la perspective méditative. Donc dans la maturation, de notre compréhension, il va y avoir des temps consacrés à l'écoute, à l'observation, dans lequel le corps est immobile, finalement peu importe sa posture, mais il n'est pas en mouvement. Et il y a la possibilité également de se servir de l'action du corps et du mental qui sont en mouvement, qui sont mobiles, pour affiner cette perspective de l'observation, de l'écoute purifiée du mental. Cette permanence de l'écoute, cette permanence du regard, cette permanence de la présence, cette permanence de la conscience, c'est là où on peut voir une certaine similitude avec l'écran blanc du cinéma, qui finalement est toujours identique à lui-même, qu'il y ait des images, qu'il n'y en ait pas. Sa nature même n'est pas affectée, n'est pas changée. Et dans notre nature propre de présence, d'écoute, de silence, au final, rien ne se passe. Les perceptions sont changeantes, sont mouvantes, mais cet arrière-plan de conscience, ce continuum de conscience, est en dehors du mouvement. Rappelez-vous qu'il est possible d'observer un mouvement parce que vous êtes en dehors du mouvement. Vous ne pouvez pas observer le train qui avance si vous marchez à la même vitesse que le train. C'est parce que vous êtes sur le quai que vous allez voir le train se mouvoir. C'est exactement pareil avec le mouvement des sensations, des émotions et des pensées. Ils sont connus, expérimentés par, évitons de le nommer, ce qui est en dehors de ce mouvement-là. Dès qu'on nomme les choses, on tente à les cristalliser. Notre mental va immédiatement créer un concept.
le concept n'est pas la réalité qui est vers laquelle pointe le concept. Donc l'utilisation des noms, NOM, doit être prudente, parce que sinon tout de suite le mental va construire, va transformer en un objet d'écoute, un objet d'observation, ce qui n'est pas un objet. Un autre point effectivement essentiel dans la compréhension et l'intégration de la dimension méditative, c'est la question de l'objet et du sujet. Dans ces approches-là, on nomme objet la totalité de ce qui est perceptible dans cet instant. On ne peut pas parler de ce qui sera perçu l'instant suivant ou l'instant d'avant, c'est impossible. Donc l'objet, c'est ce qui jaillit dans la conscience dans cet instant, que ce soit une sensation, une émotion, une pensée. Donc déjà, bien se familiariser avec ce jaillissement d'instant en instant du monde des phénomènes. Les phénomènes, c'est, on va dire, le terme général pour désigner ce qui apparaît et ce qui disparaît. Et en affinant cette écoute et cette observation, à un moment vient, un questionnement va émerger, mais au final, qui est le connaisseur? Quel en est le connaisseur de ce mouvement, des phénomènes? Cette interrogation est une interrogation extrêmement subtile. On ne peut pas faire de manière intellectuelle hâtive. C'est une interrogation qui convient de maintenir ouverte dans une attitude de réceptivité et d'innocence, afin d'éviter de s'enfermer dans des conclusions hâtives. Donc, explorer la nature du connaisseur, c'est explorer la nature du vrai sujet, c'est explorer la nature du vrai je, J-E. Parce qu'il y a une confusion dans notre compréhension entre le vrai je, J-E, et le je projeté par notre mental, qui est le je, J-E, habituel, auquel on est identifié. Quand on parle de moi-même. Donc, quand on parle de moi-même, on fait référence à ce jeu projeté par notre mental et donc conditionné par les mémoires. Alors vient un moment, donc si je ne suis pas ce jeu projeté par mon mental, cette sorte d'hologramme projeté par mon mental auquel je suis identifié, alors qui suis-je en vérité? Cette question est un médicament. Il faut d'abord l'avaler, la déglutir et la laisser agir, la digérer. En se rendant compte que toutes les réponses fournies par notre intellect ne sont pas satisfaisantes, paraissent fragmentaires et incomplètes. Donc c'est finalement une quête du je-je véritable, hein, de l'essence de notre être qui se cache derrière ces pratiques, ces investigations. Le corps ou le mental sont écoutés, ils sont écoutés à partir d'une écoute, comme nous le disions tout à l'heure, qui est complètement passive. Une sorte de réceptivité dans laquelle la perception va revenir à son point de départ. Quand vous regardez autour de vous
de champ de vision qui émerge en vous, eh bien, au lieu d'aller vous projeter là-bas, au loin, donc vous laissez complètement ce qui est regardé, vous regardez. Donc ce qui est regardé va revenir à sa source, à son origine, qui est le regard lui-même. Donc toute perception est comme un doigt pointé vers le regard lui-même, qui a la particularité de ne pas pouvoir être regardé. Donc ça fait partie de l'expérience méditative, de se servir de sa vie quotidienne comme un champ d'expérimentation, un champ d'intégration, où ce qu'on appelle les autres, les situations diverses, les gens aimés, les gens détestés, eh bien, tout ça font partie d'un jeu de perception qui émerge dans cela, qui ne peut être regardé. Et tant que la perspective intérieure n'est pas stabilisée, il va y avoir des moments de récupération par les projections égotiques qui vont à nouveau devenir dominantes, hein, par une sorte d'oubli, une sorte d'amnésie de la perspective naturelle de notre être qui est pleine, silencieuse et indivise. Donc tout désir de plénitude, de joie, de félicité trouve sa source en vérité dans ce support d'être, ce support de conscience, ce continuum de conscience. L'essentiel a été exprimé, a été exposé, donc peut-être s'il y a des questions qui jaillissent, il y a un micro ici et peut-être on va pouvoir continuer en interagissant ensemble, si vous voulez. Donc il faudra prendre le micro pour que ça puisse être entendu par tout le monde. Vous avez dit que on prend un moment, on s'assoit, on laisse de côté notre quotidien pour observer. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, dans nos actes quotidiens, en faisant la vaisselle ou en conduisant, aussi être attentif? C'est absolument, hein, c'est exactement la même chose. Toute situation est opportune pour revenir à l'écoute pure, à l'observation purifiée du mental. Tout à fait. Et dans cette perspective-là, la vie quotidienne est un champ d'intégration parfait. Aussi beau que soit le Tibet, ce n'est pas nécessaire d'aller au Tibet pour faire connaissance avec l'expérience méditative, avec le vécu intérieur. Il est déjà là présent. Il peut y avoir des contextes favorisants, mais ne pas se leurrer, ce qu'on cherche véritablement est déjà là au plus près. Si près que tout mouvement pour le chercher, c'est déjà s'en éloigner.
bien sûr, quand le corps est en mouvement, quand il y a une interaction avec des gens, vous allez voir qu'il est beaucoup plus difficile de maintenir cette perspective-là. Il y a tout de suite la tendance à revenir dans la perspective ordinaire, hein, la perspective du moi projeté, conflictuel, qui a quelque chose à défendre. Donc ça demande une observation attentive de façon à voir le moment où vous rentrez dans les vieilles chaussures du personnage habituel, du personnage projeté. Si ça n'est pas vu, eh bien à ce moment-là, ça sera vu éventuellement dans un second temps, quand vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes finalement battu contre des moulins à vent. Personnellement, je pratique le yoga et il y a des formes de méditation active, dynamique. Et ce que j'ai remarqué, c'est si je pratique la méditation assis en silence, je peux m'apercevoir au bout d'un certain temps que je ne suis pas attentif, pas observateur. Et la différence avec la méditation dynamique, avec des mouvements, ça peut être avec un chant, de la danse, c'est que si je perds l'attention en ce moment, la sanction est immédiate. De toute façon, tout est une opportunité à revenir à la présence, hein, à la conscience même, hein, à ce substratum de conscience. Donc selon les prédispositions de chacun, cette perspective sera plus facilement habitée, emboîtée dans l'immobilité, et pour d'autres dans le mouvement. Hein, au final, ça ne change rien, puisque l'écran blanc de la conscience, lui, est toujours le même. On compare parfois la conscience à un miroir. On donne cette métaphore du miroir qui réfléchit. Donc le monde est un reflet qui apparaît en lui, hein, dans le miroir. Mais la nature du miroir n'est pas affectée par ses apparitions, ses disparitions. Si le miroir oublie qu'il est miroir, il va s'identifier au papillon ou à l'éléphant et il va avoir l'impression de peser 1 gramme ou 10 tonnes. Et mais dès qu'il se rappelle de sa nature de miroir, il réalise que ça ne sont que des reflets et le sentiment de pesanteur disparaît. Il en est de même avec l'impression d'un poids, hein, qu'on peut expérimenter. En général, ce sont les poids des mémoires qui n'ont pas été digérés, le poids des pensées répétitives, qui sont comme pesantes par leur répétition. Les psychologies au sens large avec un S s'intéressent donc à l'analyse et à la description du monde objectif, c'est-à-dire la manière dont le mental, l'ego va se structurer. Dans des perspectives méditatives pures, disons, il n'y a pas d'intérêt particulier mis sur l'analyse du fonctionnement du mental, puisque finalement, la totalité du mental n'est qu'une projection. Une fois qu'il est clairement vu que la totalité du mental n'est qu'une projection, l'analyse du mental, ça sera également une projection qui sera une autre des fonctions du mental, et donc ça tourne en rond. Donc c'est un peu pour ça que parfois dans des thérapies psychologiques ou psychothérapiques, au bout d'un moment, il y a l'impression de tourner en rond, parce que le mental tourne en rond, et finalement, la vraie nature du sujet a échappé complètement à cette enquête. Donc, on va dire une thérapie au sens large complète n'exclut pas l'analyse du monde objectif, mais va devoir s'intéresser à la nature du sujet, de façon à ce que le spectacle du monde, c'est-à-dire le spectacle du monde phénoménal, puisse être vu et intégré à partir de la conscience qui est au-delà du phénomène, qui précède le phénomène. Donc, vous pouvez partir dans
n'importe quand, de l'écoute de votre corps et de votre mental. Hein, c'est là que ça commence. Donc, le corps est écouté, par exemple les yeux fermés, le corps est une sensation, est une vibration qui va avoir des tonalités, des qualités différentes. Donc ces qualités vibratoires sont écoutées, elles ne sont pas contrôlées. Lorsque le souffle est écouté, le souffle n'est pas contrôlé. Il est écouté depuis son jaillissement, c'est-à-dire l'extrême naissance de l'inspiration, jusqu'à l'extrême résorption de l'expiration. Une fois que l'expire est complètement résorbé, que l'inspire ne s'est pas encore déployé, alors là, la conscience, on va dire, est seule avec elle-même, sans que ne lui soit rajouté le mouvement de la respiration. Également, quand une sensation est écoutée, une fois que la sensation se résorbe, la sensation n'est plus. La sensation n'est plus, mais vous êtes. Vous, en tant qu'être, vous êtes. Pourtant, la sensation n'est pas. Une pensée apparaît, une pensée disparaît, vous êtes. Et pourtant, cette pensée n'est pas. Voyez donc, voyez bien en vous ce qui est en dehors du changement. Sachant que le corps et le mental sont en changement permanent, mais qu'est-ce qui est en dehors du changement? Et à ce moment-là, c'est comme si le regard se tourne vers cela qui regarde, ou l'écoute qui se tourne vers cela qui écoute. On peut observer la respiration. Et est-ce que le fait de ralentir la respiration peut aussi aider à l'observation, puisque on peut dire que ralentir le souffle va aider à ralentir l'activité mentale? Alors disons, dans l'écoute naturelle est libre de toute intention. Donc l'intention de modifier le souffle reste une tension, ça reste un conflit. Donc dans l'écoute naturelle, le souffle, il va être laissé tel qu'il est, et par le simple fait qu'il est laissé tel qu'il est, il va se transformer. Il va devenir régulier, ample, spacieux, mais sans que la moindre volition, c'est-à-dire la moindre volonté, ne se soit mise en route. Donc c'est là où on va découvrir, expérimenter le pouvoir de l'écoute qui a la capacité d'harmoniser la matière, de la transmuter, de la transformer, sans qu'il y ait cette impulsion de la volonté. Dès qu'il y a une impulsion de volonté, il y a conflit. Et c'est valable à tous les niveaux de notre expérience, également dans notre vie quotidienne. Le seul fait d'observer n'est pas une impulsion, alors, n'est pas un désir. L'observation pure, elle est toujours là. C'est comme un œil qui ne dort pas, comme une caméra qui ne dort pas, qui est toujours allumée et qui finalement est indifférente au spectacle qu'elle perçoit. Ça ne change pas sa nature. Donc on peut parler ici d'une noble indifférence. Différence de... Au contraire de l'indifférence psychologique, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. La noble indifférence, c'est cette aptitude à accueillir toute perception telle qu'elle est de manière égale. Ce que certains appellent l'équanimité, c'est cette aptitude à accueillir toute perception, toute sensation comme égale. Mais je me connecte quand même à ce fait que je suis toujours observateur, ou je l'oublie. C'est ça, disons que vous pouvez vous rappeler de l'observation. Hein. Vous rappeler de l'observation, c'est un rappel. Hein. C'est un rappel qui se fait, mais qui se fait au final indépendamment de votre volonté. C'est ça l'appel de la méditation, qui est un appel qui vient en vérité du silence de la présence, du silence de la conscience, qui suscite un appel et qui va tourner le mental vers sa source. C'est comme si le mental était comme un projecteur qui est tourné toujours vers le lointain
et maintenant il va se retourner vers son point de départ. Donc ça ne vient pas du mental. Le désir de méditation, le désir de paix, de tranquillité ne vient pas du mental. Ce désir va se réfléchir dans le mental, mais sa source n'est pas dans le mental. Donc, vous voyez pourquoi, évidemment, là, on est dans une séance publique, méditation, on peut fermer les yeux, écouter des sons, ok. Mais s'il n'y a pas une compréhension approfondie des choses, ça restera quelque peu vain, dans la mesure où, dès que le quotidien reprend, les projections immédiatement vont reprendre le dessus, et les conflits vont réapparaître tout de suite. Donc, ça sera, on va dire, un temps de pause, très rapidement, il va y avoir une récupération par l'agitation mentale et les conséquences que tout le monde connaît. Donc, il y a une dimension de compréhension, d'expérimentation indispensable dans l'intégration de la perspective méditative. En fait, quand on est en silence, assis, réceptif, c'est plus facile d'être observateur et de ne pas tomber dans le piège du mental. Oui, c'est sûr, parce que votre ego n'est pas stimulé. Votre ego n'est pas stimulé, donc ce sont des conditions expérimentales. Comme l'ermite qui se met dans la grotte, il va être stimulé peut-être par les fourmis, mais pas en tout cas par les autres humains. Mais tôt ou tard, il va devoir redescendre dans la ville pour voir où il en est. Sinon, il peut s'illusionner, croire qu'il a trouvé une tranquillité stable, mais il va voir que dans la vie quotidienne, les résurgences égotiques vont repartir de plus belle. Donc, tous ces outils, tous ces enseignements de méditation sont un peu comme des outils de jardin, aussi pour les utiliser dans le jardin. Oui, bien sûr. Sans ça, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'intégration, ça ne sert, disons, pas à grand-chose. Séance de yoga, de stretching, de relaxation, mais si vous retombez tout de suite dans la même perspective, ça sera presque peine perdue. Pas totalement, parce que ça peut laisser des traces. Mais c'est plus difficile dans le monde de tous les jours, dans le quotidien, de mettre en pratique. Exactement, dans le monde quotidien. Donc maintenir, si c'est possible, une écoute de son corps, de son mental, également dans la vie quotidienne, dans l'interaction avec les proches, avec les lointains, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, maintenir une écoute, non pas un contrôle, mais une écoute. Dans le contrôle, il y a une tension, dans l'écoute, il n'y a pas de tension. Il y a une attention, mais qui est libre d'intention. Et aussi prendre garde à l'écueil de l'attachement à un état silencieux. L'état silencieux peut devenir un objet d'attachement. Et finalement, maintenir une sorte de distance avec le silence naturel de notre être, qui est la nature même de notre être, qui ne peut donc pas être atteint, alors qu'un état, c'est quelque chose de transitoire qui naît, qui meurt. Donc ne pas confondre l'état silencieux avec le silence d'être naturel, qui n'est pas un état. Ne pas confondre l'état tranquille avec la tranquillité véritable, qui n'est pas un état. Donc, lorsque des états sont vécus, même des états extatiques, il est finalement important de les oublier. C'est-à-dire de ne pas laisser l'esprit se cristalliser dessus, de façon à ne pas en fabriquer un objet d'attachement. Donc ces états sont simplement une apparition dans la conscience, et comme toute apparition, ils disparaissent. Donc on voit assez souvent dans ces approches-là, des gens qui ont vécu des années auparavant, des expériences
intérieure extatique, hein, et qui reste finalement dans une sorte d'attachement à une sorte d'état idéalisé, hein, et qui les éloigne de la félicité naturelle de leur être qui est déjà là maintenant, et qui n'a fait que se réfléchir dans un état, l'état n'a servi que de miroir. Et le reflet d'une chose n'est pas la chose. Alors, essayer de reconnaître un état silencieux, préfabriqué, de vraiment l'état du silence qui est. Oui, voir que, disons, un état, on peut dire que c'est du bruit, au sens large. Ce bruit est expérimenté à partir du silence, ce n'est pas le bruit qui expérimente le bruit. Donc quand vous voyez qui est l'expérimentateur du bruit, c'est-à-dire de l'état tranquille ou l'état silencieux, ben c'est le silence lui-même. C'est le silence lui-même qui, lui, est toujours là, comme une lumière qui ne s'éteint pas. Allusion à certains états extatiques. Oui, des états extatiques. Hein. Que l'on peut retrouver dans la méditation, certaines émotions, des sensations inhabituelles. Par exemple, hein, donc tout cela, les considérer de manière égale. Ne pas tomber dans le piège de la spiritualité. De l'attachement à l'objet, qui peut prendre la forme d'un état extatique. Personnellement, parce que j'enseigne aussi le yoga depuis 20 ans, et quand mes élèves s'installent, ils arrivent chacun avec leur histoire de la journée, leur préoccupation. Et si je ne dirige pas, soit par le chant, soit par une respiration guidée, je sens que l'énergie n'est, l'énergie, c'est un mot, hein, n'est pas là. C'est complètement dispersé. À partir du moment où je propose de chanter un mantra, fait ralentir la respiration, l'attention et le tout le monde est, on appelle ça, tout le monde est connecté. Personnellement, je le sens, après c'est peut-être une croyance. Bien sûr, on peut se servir hein, d'un rituel, hein, on peut se servir d'un rituel comme l'hypnothérapeute va servir d'un rituel pour l'entrée dans la transe hypnotique. On peut se servir d'un rituel pour favoriser une pleine écoute, une pleine attention, mais il faudra faire attention de ne pas cristalliser ce rituel et de complètement laisser de côté. Le rituel n'est là que comme un pointeur, comme une béquille transitoire, mais pas rester accroché à la canne. Non, c'est un outil. C'est un outil hein, qui convient d'utiliser avec parcimonie. Marc, je me demande si dans le yoga, le fait de contrôler les énergies permet à ces mêmes énergies de s'harmoniser, de s'orchestrer harmonieusement. Dès qu'il y a contrôle volontaire, il y a tension, il y a conflit. C'est inévitable. Chacun peut le voir, peut l'expérimenter en lui, en elle, dans sa vie quotidienne. Dès qu'il y a tentative de contrôle, il y a une peur derrière, il y a une tension. Et déjà, il y a un état conflictuel qui est déjà là. L'écoute naturelle ou l'observation naturelle n'est pas conflictuelle. Également le contrôle du souffle. Également le contrôle du souffle. C'est ce qu'on disait à notre ami. Hein. Dès qu'il y a contrôle du souffle, il y a intentionnalité, il y a donc une volonté, il y a une tension qui est présente. Donc bien voir que le contrôle du souffle va peut-être amener à un souffle plus ralenti, mais le flux naturel, harmonieux, libre et spontané du souffle ne pourra pas se révéler.
épanouissement, non. cette légèreté. Exactement. Il y a quelque chose encore de pesant qui est présent. Dès qu'il y a une volonté qui s'inscrit. Alors on peut dire une volonté d'écoute ou une volonté d'observation, mais même cette volonté d'écoute, en vérité, elle disparaît dans l'écoute elle-même. On peut dire que la volonté d'écoute, c'est la dernière volonté. La volonté d'observation, c'est la dernière observation. Parce que cette volonté se résorbe dans l'écoute, se résorbe dans l'observation. L'écoute, l'observation sont par nature non-duels, c'est-à-dire indivises. Ce n'est pas moi qui écoute, c'est l'écoute elle-même qui écoute, et l'écoute dans sa nature n'est pas divisée. L'écoute et l'observation ne font pas partie de la dualité, c'est ce qui est... Non, l'écoute, l'observation sont la nature même de la conscience. Hein, et à partir de cette perspective-là, quel que soit le mouvement des phénomènes, il y a, on va dire, un ancrage dans cette stabilité de présence hein, qui devient votre axe de vie. Et ensuite, les événements vécus, finalement, deviennent anecdotiques. Tout comme, pour en revenir à l'écran blanc du cinéma, au final, qu'est-ce que ça peut bien lui faire, la nature du film qui se déroule en lui? Sa nature est toujours identique à elle-même. Elle est toujours libre, immuable, intouchée, intouchable, autonome. Oui, bien sûr, il y a un désir profond de tranquillité, d'une joie stable, d'un amour véritable, pas réactif. Hein. Donc, vous voyez cette aspiration qui est en vous, et c'est cette aspiration profonde hein, qui va vous guider, qui va mettre en place les outils appropriés. Hein, on croit que c'est mon mental qui va inventer les outils, mais en vérité, c'est la manière dont va structurer vos pratiques, entre guillemets, c'est un appel de la conscience qui va résonner et votre mental va structurer des activités pour permettre de répondre à cet appel. Donc, selon les structures de personnalité, ça peut prendre des aspects de discipline avec l'écueil de la rigidité et de l'obsessionnalisation. Et chez d'autres, ça va davantage être dans la fluidité de la vie et dans le jeu des interactions. Au final, ce qui se cherche, c'est toujours identique. Bien que qu'est-ce que ça veut dire l'écoute, une écoute habitée. Une écoute habitée, il n'y a plus de distance entre vous et l'écoute. Tant qu'il se maintient une distance entre vous et l'écoute, l'écoute n'est pas habitée, n'est pas emboîtée. Donc, voyez qu'est-ce que ça veut dire dans votre vécu intime, une écoute ou un regard emboîté. C'est-à-dire là où il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus nulle part où aller.
Donc on peut dire que toutes ces pratiques nous amènent à ne plus pratiquer la vie. Ce qui est quoi ? Disons, c'est vouloir abandonner une pratique, c'est encore une pratique. Donc, c'est la pratique qui doit vous quitter. Donc, il faut avoir la patience d'attendre que la pratique vous quitte d'elle-même, mais que ce ne soit pas le fruit d'une volonté. Disons que la détente approfondie du corps, du mental, on peut dire c'est une aide, c'est une préparation. Ça permet déjà à la compréhension de s'affiner. Donc, déjà apprendre à reconnaître les tensions qui sont dans notre corps, dans notre psychisme, et permettre à ces tensions de se dissoudre, par le pouvoir de l'écoute, par le pouvoir de la présence, alors à ce moment-là, c'est déjà, une condition favorable pour une compréhension juste des choses. Mais voyez bien que dès qu'il y a une volonté de détente, c'est déjà une tension. L'écoute des tensions est sans volonté. Donc les tensions sont sans qu'il y ait une volonté particulière de les éliminer. Et c'est dans cette écoute des tensions, sans volonté particulière de les éliminer, qu'éventuellement les tensions vont pouvoir se résorber par elles-mêmes dans l'écoute, dans la conscience globale. Donc l'écoute de notre corps, dans les moments tranquilles, va permettre de voir, d'identifier des zones de défense, des zones de résistance, on va dire des zones dans lesquelles les peurs se sont cristallisées. Et donc, ces régions-là vont naturellement appeler une attention, appeler une écoute. Et au fil de l'écoute, au fil de l'écoute passive, non volontariste, eh bien, on va assister à une désagrégation de ces tensions, un peu comme un sucre qui est plongé dans l'eau. Il va se désagréger. J'ai une question au niveau des écoutes. Est-ce que vous pouvez parler un peu de différents types d'écoutes, soit mental, soit physique, soit intentionnel, etc. Après, au niveau des... Est-ce qu'il faut les écoutes, ça vient tout seul, ou il faut aller chercher? Parce que si on va chercher, après il y a différents niveaux. Par contre, s'il faut que les écoutes viennent tout seul, souvent c'est les sensations plus grossières, plus évidentes qui arrivent. Il n'y a qu'une seule écoute. L'écoute n'est pas multiple. C'est toujours la même écoute qui contient les perceptions qui, elles, sont différentes.
Donc, quand il y a perception des sensations, ces sensations sont expérimentées à partir de cette écoute unifiée, toujours présente. Quand il y a une activité mentale, l'activité mentale est expérimentée à partir de cette écoute toujours présente. L'écoute, elle est toujours identique. Alors effectivement, bon, on peut dire l'attention se déplace vers les sensations du corps, l'attention se déplace vers l'activité mentale, vers les jugements fabriqués par le mental, mais même ces mouvements de l'attention, eux-mêmes, sont des mouvements qui sont écoutés, qui sont expérimentés à partir du silence de l'écoute, du silence de la présence. Donc bien se familiariser avec l'unité de l'écoute, que l'écoute n'est pas divisée, n'est pas divisible. Quel est votre fondement, c'est la base de votre être. Donc, il faut bien différencier ce que signifie être écoute et écouter. Dans être écoute, il n'y a qu'unité. Dans écouter, il y a quelqu'un qui écoute quelque chose et il y a déjà une division. Donc bien faire la différence entre observer et l'observation, entre écouter et l'écoute elle-même. Et ensuite, bon, bien sûr, on peut prendre des temps particuliers qui vont être consacrés à l'écoute du corps, à l'écoute des sensations ou à l'observation du mental. Il n'y a pas de problème, les deux sont instructifs. Hein. Mais bien voir que c'est toujours le même écran blanc de la conscience qui est en arrière-plan des perceptions physiques ou mentales. Et que c'est ce dévoilement de la conscience d'arrière-plan, c'est ça qui se cherche en vérité. Un désir d'écoute, ce n'est pas vraiment l'écoute véritable. Voyez bien d'où jaillit le désir d'écoute, et vous allez voir que le désir d'écoute jaillit de l'écoute elle-même. Le désir de paix, il jaillit de la paix. Donc, voyez bien à partir d'où ça naît. Et alors, vous voyez, c'est les phénomènes ou les pensées ou les phénomènes sont comme le petit pousset qui laisse une trace. Et qui laisse une trace de retour à son point de départ. Donc une pensée qui est suivie depuis son extrême naissance jusqu'à son extrême extinction ramène au point de départ, c'est-à-dire au support de conscience. Pareil pour la sensation, pareil pour la respiration. Donc toutes ces perceptions sont des pointeurs vers cela qui ne peut être perçu. Donc, un désir d'écoute peut jaillir de l'écoute elle-même. Alors. Exactement. Le désir d'écoute, un désir profond d'écoute, il vient de l'écoute elle-même. C'est l'écoute elle-même qui cherche sa pleine révélation.
à l'heure, on parlait de tension dans certaines pratiques de yoga. En fait, on cherche volontairement à essayer de cristalliser, à monter la pression pour mieux la relâcher dans certains cas. Oui, pourquoi pas, hein, on peut pour se familiariser, hein, pour caricaturer les choses. Il y a parfois besoin de caricaturer les choses de façon à prendre conscience de manière plus claire et permettre d'expérimenter un abandon approfondi, hein, une dissolution approfondie de cette tension. Pourquoi pas ? Les réponses à tout conflit, à toute problématique, puisque est-ce que l'intellect, lui, a des réponses ou ne fait que poser les problèmes ou les remuer dans tous les sens? Est-ce que la véritable réponse n'est pas simplement le lâcher prise et Exactement. Disons, c'est le mental qui crée le problème et cela qui crée le problème ne peut pas le résoudre. La solution n'est pas de nature mentale. Elle est dans l'arrêt du mental. Elle est dans la résorption du mental, dans cette présence qui contient le mental, mais qui n'est pas asservie à lui. Donc donnez tout votre amour, votre écoute, votre dévotion à cette présence qui ne se laisse pas objectiver. Et à ce moment-là, vos énergies vont naturellement trouver un repos, une mise au repos. Par rapport au mental, il convient bien sûr de ne pas chercher à arrêter l'activité mentale, ça n'a pas de sens. Contentez-vous simplement, disons, d'une observation détachée de l'activité mentale, où le mental est simplement contempler dans sa naissance, son maintien et sa résorption. Ça s'arrête là. Pas de saisie, pas de cristallisation des pensées. Ou ne pas s'attacher à l'état sans pensée qui va devenir sinon une autre forme de fixation. Ne pas contrôler le mental. Ne pas chercher à contrôler le mental, mais simplement vous rappeler que ce qui est conscient du mental est en dehors du mental. Dès que ce rappel s'éveille, immédiatement, il y a une distanciation par rapport à l'activité mentale. C'est instantané. Et bien, voir que toutes les pensées sont une déclinaison de la pensée moi-je. Elles sont toutes une déclinaison de la pensée moi-je qui va s'enrober et qui va créer toutes sortes de ramifications. Donc bien remonter son attention à partir de vers cette pensée première, cette pensée originelle, la première qui donne naissance à toutes les autres. Et vous allez voir que dans toute l'activité mentale, il y a toujours cette pensée racine qui est là, et vous avez la possibilité de remonter à sa source. Sa source qui est la conscience elle-même, puisque cette pensée est un jaillissement de la conscience, une sorte d'expression. Le moi-je dont tu viens de parler, c'est l'ego. Oui, c'est ça qu'on appelle l'ego, hein, c'est-à-dire quand, à l'instant où cette pensée jaillit du silence plein, indivise de l'être, donc là, que cette pensée jaillit, c'est ça qu'on appelle l'ego. Ensuite, ce jaillissement va se structurer, hein, et créer une sorte de forme, mais qui en fait est vide, parce que si vous vouliez passer la main dedans, il n'y a rien dedans, mais c'est un peu comme un hologramme où on a l'impression d'une forme concrète, mais quand on passe la main, elle est vide. Donc en fait, les pensées sont vides, et toutes les pensées s'articulent à partir de cette pensée première, et cette pensée première, elle est également vide, mais elle n'est pas vue comme vide du fait de la beauté, de la magie. Un bon magicien, vous ne voyez pas la magie.
Oui, en fait, ce qu'on appelle le matin au réveil, c'est le matin au moment où le mental se réveille. C'est le moment où le mental se réveille, la pensée moi va renaître de ses cendres, hein, et va redéployer un scénario coutumier et habituel qu'on va prendre pour ma vie. Tout en oubliant que je étais avant cette pensée. Je est avant la naissance de cette pensée et de tout le scénario qui s'articule autour de cette pensée. Donc, vous voyez bien à quoi se réfère « je est ». Et ça, vous ne pouvez pas faire connaissance avec les outils intellectuels habituels, c'est impossible. C'est une sorte de lâcher-prise total, très profond. À ce moment-là, le pressenti du « je » qui est, de cela qui est, va pouvoir se dévoiler dans cette complète abandon, complète résorption, qui n'est pas le fruit d'une volonté qui se fait spontanément quand il n'y a plus rien qui attire l'attention. Donc l'attention est attirée là-bas, il y a ce mouvement de projection qui se maintient. C'est-à-dire la félicité d'être se projette au loin et donne l'impression d'être là-bas, donc qu'il faille aller là-bas pour enfin la trouver. C'est un jeu de miroir, un jeu de dupe. Mais il peut y avoir un jaillissement d'une pensée, d'une parole, d'une action, sans que ce soit forcément que ça passe par la case égo. Il peut y avoir une pensée fonctionnelle, une pensée créative fonctionnelle, mais à ce moment-là, elle va être spontanée et elle va se dissoudre d'elle-même. Elle ne va pas s'accompagner d'un poids psychologique. Je suis enseignant et j'ai des élèves en face de moi, effectivement. Et moi, je construis une pédagogie, quelque chose de construit. Et moi, j'interprète tout ce qui se passe devant moi, je l'analyse. Et effectivement, si j'ai bien compris, c'est vrai ce qui passe dans la réalité, il y a conflit. Automatiquement, il y a conflit. Comment, justement, l'enseignant peut essayer d'améliorer sa pédagogie, ses échanges avec ses élèves pour améliorer quoi. Vous voyez déjà que l'idée d'être enseignant, c'est déjà un conflit, c'est déjà un concept. Vous pouvez laisser de côté, maintenant, si vous laissez de côté la notion d'enseignant, à ce moment-là, déjà, vous allez vous expérimenter comme étant plus libre. Vous n'êtes plus dans le rôle de l'enseignant, restreint à cette fonction, hein, et vous allez pouvoir toucher une dimension de votre être, finalement, qui est ouverte, qui est libre, hein, et qui est spontanée. Et c'est à partir de là que votre pédagogie va pouvoir s'exprimer, mais en fonction de ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes enfermé dans votre pédagogie comme un prêcheur qui est enfermé dans sa prêche, à ce moment-là, ça sera un dialogue de sourds, et il n'y aura pas de résonance, il n'y aura pas d'interaction possible. Donc d'abord, il doit y avoir écoute, et ensuite, il y a expression. L'expression doit être enracinée dans l'écoute, sinon vous rentrez dans l'automatisme, dans la robotisation. Et à partir de là, vous allez voir que vos outils pédagogiques, ben, ils sont ce qu'ils sont, ils vont avoir leur utilité, mais vous n'y serez plus fixé. Vous ne serez plus attaché de manière obsessionnelle. Vous allez acquérir une distance par rapport à vos outils pédagogiques qui vont servir ponctuellement quand ça sera nécessaire, mais ça sera dans cette écoute globale que vous allez trouver votre enracinement et que les élèves vont pouvoir aussi trouver un espace de confort, un espace de bien-être et de sécurité.
Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci aux organisateurs de ces deux journées du Tibet. Le Bouddha n'était pas bouddhiste.